Yo les gars, c'est Wick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les potes, on va parler de pas mal de choses. Je vous ai trouvé des choses qui vont arriver sur Fortnite, des pépites les gars. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est vraiment super intéressant. En tout cas, si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, on est une chaîne d'information Fortnite avec d'autres contenus qui va arriver très bientôt. Donc si tu veux rien louper, que ce soit de l'actualité sur Fortnite, des nouveaux contenus, etc., des lives avec des abonnés, et ben n'hésite pas à t'abonner. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait avant de commencer la vidéo? On met un petit pouce bleu les gars. Hier on a réussi l'objectif des 300 likes avant minuit. Aujourd'hui on va tenter vraiment un truc de fou, les 700 likes en moins de 24 heures. Je compte vraiment sur vous. En plus ça sert pour gagner les skins que je vais vous dire dans cette vidéo. Et surtout on va pas l'oublier cette fois-ci les gars. Dites-moi, combien avez-vous de skins sur Fortnite Battle Royale? Voilà, est-ce que vous avez 40 skins sur Fortnite Battle Royale? Est-ce que vous avez 80 skins, 120 skins, 300 skins, pourquoi pas? Vous me dites tout ça dans l'espace commentaire. Et on va passer au vrai sujet de la vidéo. Bon les gars, je vais tout vous expliquer. Alors je vais essayer de faire ça une fois par semaine. Alors ça dépendra de vous, ça dépendra si vous êtes présent sur les vidéos. Et vous serez présent, j'ai pas de doute. Tout simplement les gars, une fois par semaine, sur une vidéo information, même sur une vidéo parcours, etc., des nouvelles vidéos qui vont arriver sur la chaîne plus tard, je vais vous donner un objectif. Si vous réalisez, je vais prendre 2 abonnés dans l'espace commentaire et je vais leur faire gagner un skin de leur choix. Alors le défi pour cette vidéo, c'est vraiment super simple. Si on a les 700 likes en moins de 24 heures pour cette vidéo et que vous en êtes capable, vous devrez mettre un commentaire, n'importe lequel, voilà, j'ai liké ou un truc du genre. Si on est 700 likes, je prendrai 2 mecs au hasard et je leur ferai gagner un skin. Et surtout, n'oubliez pas de mettre votre Epic Games dans le commentaire, bah sinon, bah je pourrais pas vous contacter. Bon, allez, c'est parti pour la vidéo. Tout simplement, la première information que je voulais vous montrer est vraiment, c'est vraiment un truc de fou, Fortnite. Je sais pas si ce skin est déjà sorti, je vous le mets directement à l'écran. Il y a peut-être moyen que ce skin est déjà sorti dans la boutique. Et ben, tout simplement, Fortnite, ils ont fait référence, même pas une référence, ils ont fait un nouveau partenariat avec le DJ Major Lazer. Je sais pas ce que c'est, je vous le mets directement la vidéo et on peut voir les gars que dans cette vidéo et bah c'est le même skin sur Fortnite. Donc du coup voilà, pour toutes les personnes qui voulaient voir la référence, même voir le nouveau partenariat qu'ils ont fait avec Fortnite, et bah vous l'avez devant vos yeux. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo les gars, et c'est vraiment what the fuck quand on le voit ça, tout simplement les gars, il y aura très bientôt sur Fortnite des défis les gars, oui des défis pour rendre hommage au cube, oui au cube. Je vous le mets directement à l'écran les gars, on vient de le trouver dans les costumes du jeu PC et c'est un truc de malade. Alors qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous donner ces défis? Comme d'habitude, des récompenses pour les joueurs, peut-être un nouveau sac à dos, peut-être une nouvelle pioche, etc. On t'aime avec le cube, mais c'est vraiment à peu près bizarre, non? Des défis pour rendre hommage au cube, j'ai envie de dire à tester parce que vraiment je vois pas ce qu'ils peuvent mettre comme défi. La date de sortie de ces nouveaux défis, j'en ai aucune idée, les gars. Ça peut arriver demain comme ça peut arriver dans 2 semaines, mais en tout cas, les gars, vous êtes informés, il y aura très bientôt des défis pour rendre hommage au cube. La troisième chose que je voulais vous montrer, les gars, et je pense que là vous allez kiffer, tout simplement, les gars, c'est un nouvel objet qui va arriver sur Fortnite, donc ça va arriver dans une prochaine mise à jour, peut-être pas la mise à jour qui va arriver très bientôt, mais peut-être la prochaine mise à jour. Je vous le mets directement à l'écran, tout simplement ça sera une faille à débris. Alors j'en ai aucune idée de qu'est-ce que ça peut faire. Est-ce que ça va être la faille normale, etc., voilà, tu rentres dedans, tu rends l'air, tu prends ton planeur, etc., ou soit ils vont rajouter un nouveau truc stylé, j'en sais rien les gars, mais en tout cas c'est dans les codes sur le jeu PC, ça doit arriver dans une mise à jour, ça s'appelle la faille à débris. En tout cas on verra tout ça dans les prochaines mises à jour, soyez présents sur Fortnite, ça arrive très bientôt, cette faille à débris. Ça annonce peut-être un petit retour, tout simplement les gars, ce pont, je vous le mets directement à l'écran. Là vous allez me dire bah c'est un pont normal. Et bah tout simplement les gars, c'est le pont qui séparait Anarchy Agress à Tomato Dawn, je sais plus comment il s'appelle. Et bah il est de retour dans les fichiers du jeu. Bah qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement il va faire son retour les gars. Enfin ce pont qui était déjà à l'époque. C'est une petite information mais ça fait toujours plaisir à entendre. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura fait plaisir. J'espère vraiment que ces petites informations vous auront fait plaisir. On est dimanche, il n'y a pas trop d'informations qui sortent en ce moment, donc je vous sors toutes les choses qui vont arriver dans les prochaines mises à jour, etc., les spéculations, etc. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ces informations que je vous ai dit aujourd'hui. En tout cas, c'était nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, on est une chaîne d'information Fortnite. Donc, si tu veux rien louper, que ce soit des informations qui arrivent dans les semaines, etc., et même des informations sur Fortnite tout court, des lives avec les abonnés, etc., et ben n'hésite pas. Surtout, n'oublie pas le petit défi pour gagner le skin, les gars. Tout simplement, vous pouvez avoir 700 likes en 24 heures sur cette vidéo. Je pense que c'est possible. Et surtout, mettre un commentaire avec votre pseudo Epic Games, sinon je pourrais pas vous contacter. Et si vous gagnez, bah ce serait dommage quand même. En tous les cas, juste à vous souhaiter une bonne journée, et bonne soirée. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.